Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous fais cette petite vidéo de la Tunisie, mon pays de cœur. Je suis arrivée hier soir pour quelques jours de repos. Je vous retrouve dans cette vidéo pour une petite idée page de fond dans votre carnet d'art journal. Vous me demandez souvent d'où je prends mon inspiration. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et qui du coup, de ses observations, part un petit peu dans ses rêveries, etc. Et là ici, en observant le piquet de la maison, donc ici, donc il a été recouvert avec du papier peint. Et je le regardais bêtement et je me disais, tiens, ça pourrait faire une petite idée de décoration de page pour l'art journal. Et je me suis dit, ben, je vais partager ça avec vous. Donc là, ici, je suis à la maison et voilà, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et voilà, je suis pas venue pour ça, donc je n'ai pris aucun matériel. Et je voulais donc partager mon idée avec vous. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez... Oh non, là, j'agrandis. Bon, je vais me rapprocher comme ça. Pour que vous puissiez mieux voir donc les détails que je vous parle sur le poteau. Donc voilà, on a ici un cercle avec à l'intérieur un imprimé et on a ici un autre cercle qui a été dessiné grossièrement. Donc je me disais que dans mon art journal, je pourrais faire une décoration sur le côté gauche et sur le côté droit de ma page en reprenant cette idée. Alors je viendrai prendre une feuille A4 hein, de photocopie. Je découperai un cercle à l'intérieur, donc ça me ferait un genre de pochoir. Je viendrai le poser sur ma page et par-dessus, je prends un tampon avec des fleurs, des petits pois ou n'importe quel motif, des écritures, ce que vous voulez. Et je viendrai le tamponner donc sur le cercle que j'ai découpé sur ma page. Et quand j'enlève donc mon pochoir que j'ai fait avec la feuille, eh bien j'aurai, il me restera donc le rond avec le tampon que j'ai imprimé à l'intérieur. Ensuite, avec un marqueur, je viendrai à la main grossièrement refaire donc le cercle qu'il y a ici au-dessus. Et je me disais, ben, du coup ce serait sympa à faire, donc je me retrouverai avec une page d'art journal avec ce motif-là, côté gauche et côté droit de ma page. Et du coup, ben, au centre, je pourrais venir mettre mes petites citations. Voilà quoi, c'était mon idée du jour que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, je vous rappelle aussi que j'ai un onglet communauté sur ma chaîne YouTube que vous pouvez consulter pour être au courant de petites choses comme ça que je partage vite fait avec vous. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.